retrouve pour un nouveau tuto, un nouvel épisode de la série Comment accélérer, comment augmenter les performances de votre PC. Aujourd'hui, je vous apprendrai à nettoyer votre PC avec CC Cleaner de Piriform. Donc, le lien est dans la description, vous le téléchargez, vous l'installez, vous le lancez. Donc, quand vous le lancez, ce logiciel, ça vous donne ça, c'est l'interface de départ. Donc, on va d'abord faire un petit nettoyage avec le nettoyeur. Donc, je vous conseille de laisser toutes les cages cochées comme au départ. Vous pouvez seulement décocher les cookies si vous avez peur. Si vous avez oublié vos mots de passe sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, j'en sais rien. Parce que les cookies, ça tout simplement, ça vous permet de vous connecter automatiquement à vos sites une fois les applications rentrées une fois. Donc après, on va dans les applications. Et c'est exactement pareil avec du contenu additionnel, tout simplement. Donc moi, j'ai tout coché. Une fois les cases cochées à votre aise, vous faites analyser. Et le temps de l'analyse, moi, je coupe la vidéo et je vous retrouve juste après. Et voilà, une fois l'analyse effectuée, vous voyez, ça vous met analyse terminée. L'analyse s'est effectuée en 22 secondes, 0.806 millième, désolé. Et mon ordi va me supprimer 5,94 MO, tout simplement. Donc, une fois que tout ça est sélectionné, vous faites nettoyer. Ok. Et ça, tout simplement, vous supprime tout ce qui est présent. Donc, si vous voulez vraiment que cette action soit efficace vraiment au fil du temps, je vous conseille de la renouveler deux fois. Enfin, de la renouveler une fois en plus de la première fois, donc de la faire deux fois. Et pour vraiment conserver la forme de votre PC après avoir fait le premier nettoyage, je vous conseille de faire une à deux fois par semaine avec l'aide de ce logiciel et des autres que je vous présenterai plus tard. Donc le temps que ça termine de supprimer, je coupe et je vous retrouve juste après. Et donc nous revoilà, donc vous voyez que ça a tout supprimé, ça a bien supprimé les 5MO95, donc c'est nickel. Donc si vous voulez, comme je disais avant, vous pouvez renouveler l'opération une fois. Bon, maintenant on va nettoyer le registre, donc c'est très simple, vous laissez toutes les cases cochées pour qu'il n'y ait pas de problème, pour que ça supprime vraiment tout bien. Vous faites chercher les erreurs, et donc là c'est pareil, vous pouvez la renouveler deux fois l'opération pour que ça marche vraiment bien. Et toujours pareil, nettoyer le registre une à deux fois par semaine pour vraiment conserver la forme et vraiment enlever toutes les merdes de votre PC, des logiciels que vous avez installés durant la semaine. Donc le temps que ça cherche les erreurs, que ça analyse, je coupe la vidéo, je vous retrouve encore une fois juste après. Donc voilà, l'analyse pour chercher les erreurs vient d'être terminée. Donc moi, vous voyez, aucune erreur n'a été trouvée dans le registre. C'est normal parce que j'ai fait un nettoyage du registre ce matin. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont pas trouvé d'erreur. Donc quoi qu'il en soit, une fois qu'ils vous ont trouvé des erreurs dans le registre, vous faites corriger les erreurs sélectionnées. Et il vous affiche une nouvelle fenêtre, vous faites OK, et vous cliquez après sur encore sur une nouvelle fenêtre, corrigez toutes les erreurs sélectionnées, et ça vous supprime vraiment toutes les erreurs en une demi-seconde. Donc c'est vraiment très simple. Donc une fois tout ça fait, je vous aurai appris à nettoyer votre ordi avec un nettoyeur et nettoyer le registre, donc pour faire moins laguer votre ordi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette petite vidéo tutoriel. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, la commenter, la partager sur tous vos réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, peut-être pas Skype, Skyrock plutôt, donc sur tous vos réseaux sociaux. Vous pouvez également l'ajouter dans les favoris car ça me fera vraiment plaisir et ça me fera monter dans les recherches. Et vous pouvez vous abonner également sans oublier à ma chaîne YouTube, ça prend 2 secondes, c'est gratuit et ça me fera plaisir. Donc je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, peace.